Quelle musique, hein, que de bons souvenirs. Bonjour tout le monde, c'est les Gentlemen. Salut à tous. Aujourd'hui on se trouve pour le premier épisode de notre série Retrosaurus. Hein. Ouais, consacré au rétro. Et par la même occasion, bah, notre première vidéo. Hein. Ouais, parce que finalement Retrosaurus n'est qu'un projet, parce que les Gentlemen ont pas mal d'idées en tête, donc vous verrez tout ça. Hein, ouais, démos, jeux, tests, ouais, actus, tout ça. Cœur, ouais. Vous verrez ça sur notre profil. Hein. Et donc aujourd'hui, on se trouve pour un premier épisode consacré à Sonic, hein, l'hérisson bleu le plus rapide et le plus charismatique du monde, on va dire. Ouais. Et puis notre premier jeu. Ouais, c'est ça, notre première expérience vidéoludique aussi. Hein. Tout à fait, moi je l'avais eu pour Noël, pour la petite sortie, ouais. Dans son pack Mega Drive, hein, le beau petit hérisson. Le et c'est vrai que, comme on peut le voir à l'écran, cette sensation de vitesse permanente. Hein. Donc c'est parti, on va jouer, on va présenter ce jeu, et puis tu vas présenter la vidéo pour la même occasion. Ouais, mais bon, cette vidéo donc, est Retrosaurus, donc on va parler surtout de Sonic, le 1, mais aussi les suites. Hein. Ouais, les différents épisodes sur la Mega Drive. Ouais. Ouais, surtout sur Mega Drive en fait. On va se concentrer parce que on a jugé que c'était le plus important et les meilleurs finalement. Ouais. Les suites directes. Hein. Autant parler de Sonic, autant parler des meilleures pièces sorties sur le Mega Drive. Puis on parlera un peu de l'avenir, que Sonic refait surface. C'est vrai que ce Sega a dit tiens, on va refaire du 2D et on va en faire Sonic 4 en 2D. Ouais. Et on va vous donner notre avis aussi. Parce ouais, ce qu'on en pense. Hein. On verra. Hein. Parce que c'est vrai qu'avec la maladie des DLC et tout ça, parce qu'il va être en plusieurs épisodes. Hein. Ouais, ça c'est prévu ça. Donc, on verra. Bon, on va commencer par Sonic 1. Là, on commence par Sonic 1. Comme vous pouvez voir à l'écran, hein, c'est. C'est joli. C'est très beau hein, pour l'époque. Regardez, hop, hop, ça s'enchaîne très vite. Là, j'ai un item invincibilité. Ah, la vitesse, les loopings, voilà, les corrects, c'est pifou. Donc, c'est quand même assez joli. Il y a pas mal de couleurs qui flashent à l'écran quand même. Hein. Ouais, c'est très coloré. Ouais. Ouais. Même le fond et tout. Ce niveau est. C'est le premier, c'est l'un des plus beaux. Genre, c'est pas. Sur l'Emerald, et voilà, l'anneau. Donc, voilà, à bout de 50 anneaux, on peut accéder à un bonus stage. Un bonus stage qui nous permet de récupérer un Chaos. Chaos Emerald, il y en a 6. Il y en a 6 à collectionner. Donc voilà, c'est des petits bonus. Hein. Ça change un peu le fond. Hein. Donc la musique, les musiques sont toutes excellentes. Vraiment géniales. Donc voilà, on avance dans ce labyrinthe. Hein. Dans un labyrinthe, on essaye d'aller dans la salle. Voilà, là, la salle d'Emerald, vous pouvez le voir à l'écran. Faire fondre le diamant, apparemment. Faire fondre les petites cases, là, les petits diamants, je sais pas ce que c'est. Donc ouais, pour revenir à Sonic, c'est notre premier jeu. Hein, c'est un jeu auquel. Ouais. On a beaucoup aimé, hein. Comme vous pouvez le voir, on a dévoré quelque chose, hein, parce qu'on joue, sur PlayStation 3 pour les soucis de la capture. Ouais. Mais pour avoir une meilleure qualité d'image possible. Hein, ouais, ça nous facilite un peu la capture, donc. Parce que comme on a que la Mega Drive 1, on n'arrive pas à capturer dessus. On a dit qu'il fallait une Mega Drive 2, etc. Donc, Ouais, bon, c'est pas grave. Hein. Donc on revient sur Sonic 1. Hein. Mais vas-y, présente un petit peu comment ça se passe. Hein. Bah, jeu de plateforme, hein, classique. Donc pour contrer Mario, bien sûr. Mais oui, sur NES, hein. Son rival. Hein. Et bon, nous on estime que ça a plutôt réussi parce que bon, il a quand même eu un grand succès Sonic. Hein. Bah, pour moi, c'est Sonic est mieux que Mario, mais bon, après. Ouais. Chacun a son avis. En tout cas, les Chemin préfèrent Sonic hein, ouais. À Mario. Notamment pour sa multiplateforme, on peut dire, tu vois, dans les niveaux. Ouais, il n'y a pas du tout de linéarité. On va d'un point A à un point B, mais on peut passer par les airs, par le chemin classique ou par les terres. Hein. Attention, attention. Oh. Et voilà. Ouais. C'est vraiment très, très plaisant à jouer et même à regarder encore. Plus de 20 ans après, on y joue toujours. Ça reste un très très bon jeu de plateforme encore. Hop. Et voilà, deuxième. Et voilà. Donc là, j'avais 47 anneaux, j'ai pas eu. Non, pas assez 50. Hein. Pas le bonus stage, mais bon, c'est parti. On va faire vite fait le scénario. Bah oui, qui ne connaît pas Sonic, de toute façon, hein, c'est le hérisson qui va se battre contre le docteur Robotnik, alias Eggman pour les Américains, qui capture les petits animaux pour en faire des robots et contrôler le monde. Hop, on libère un petit oisillon, et voilà. Ouais, ouais. Plein d'items, regardez là, là c'est un bouclier. On la verra après. Parce que Sonic est assez simple, on va dire.
Le gameplay, pour crever déjà, il faut ne plus avoir de ring. Plus avoir de ring. Donc généralement, on meurt, mais soit parce qu'on tombe dans un trou, ou on se fait coincer par, ouais, par la plateforme, mais par les animaux, c'est très rare. Pas souvent. Ouais. Hop, très vite. Ah, très très vite. Voilà. Il freine. Si les animations quand il freine. Ouais, voilà. Les animations sont sympas. Sonic est très marrant, on va dire. Et voilà, là, regardez. Ah, ouais, il s'impatiente aussi, tout ça. Ouais, c'est le Ferrari, il s'impatiente. Et c'est ça, c'est son vitesse permanente. Et donc voilà, il n'y a pas de speed dash, hein, c'est dans le 2. Mais il y a une indication quand même sur le mur que tu peux le détruire en faisant la boule. Donc là, si je vais essayer de le faire. Donc, mais... On voit encore que tu peux monter, tu peux aller en haut voilà, ou continuer en bas. Donc on va passer par en haut, pas s'embêter. Ouais. Hein. C'est un peu laborieux. Donc oui, bah, regardez, écoutez les musiques, hein, musique hyper classique, hein, genre c'est. Culte. Hein. C'est mythique, c'est culte. Hein. C'est de grande qualité. Tous ceux qui ont joué à Sonic se rappellent à vie, hein, se rappelleront à vie de. Ah, mais sûrement. Voilà, checkpoint. De musique. Hein. Donc voilà, checkpoint, premier boss, la première apparition très de. Connu aussi quand même. De robotique hardée. Notez la référence, hein, ou l'air. Moustachu et rouge, on dirait un petit peu. Mario. L'oncle de Mario, mais bon, en tout cas, c'est ce qu'on en pense et de Shaman. Hein. Méchant ouais. Mario, attention, on va te niquer. C'est fort possible. Hein. C'est possible, ah putain, non. Il faut au moins ramasser un, voilà. Ouais. Bon, il est pas très dur. Ouais, hein. C'est hyper simple, mais là, je joue assez mal, on va dire. Voilà. Voilà. Ah putain, non. Ouais, il suffit de le toucher, c'est assez bon, sinon au niveau du gameplay de Sonic, ben... trois boutons, c'est saut. Hein. Voilà, donc tu choisis. Hein. Tu choisis en fait avec quel bouton tu veux sauter. Voilà, aujourd'hui je saute avec le... Ah, attention, je vais pas crever, quel, c'est pas possible. Ça serait honteux. Non. Ouais, c'est bon. Et ah oui, il y a aussi... il y a juste les boutons haut et bas pour changer un peu, orienter la caméra, c'est haut, tout. Ou en bas. Il n'y a pas grand chose au niveau gameplay, mais pourtant, ça reste quand même un excellent jeu. Hein. Et voilà, je l'ai tué. Ouf, magnifique. Il est pas content, regardez. Ouais, il vient rouler et puis il s'en va là avec les petites. Donc la petite capsule où il y a tous les animaux hein, qui étaient tenus et en étage, regardez, c'est quoi ? Des lapins et des oiseaux, voilà. Magnifique. Hein. Et voilà, petit bébé. Allez, repartez. Repartez dans la nature. Et voilà. Donc aussi, on va parler des autres jeux. Hein, des autres de on va commencer par Sonic 2, hein, un an plus tard, donc en 1992. Hein. Considéré quand même par beaucoup hein. Comme le meilleur épisode de la série, et même peut-être le meilleur jeu de la Mega Drive, peut-être. Hein, je sais pas. C'est le jeu le plus vendu, je crois. Ouais, c'est le jeu le plus vendu. Donc c'est qu'il est très abouti. Et puis, il y a pas mal de nouveautés. Il installe un nouveau personnage, hein, l'ami de Sonic Tails. Le renard à deux queues qui est capable de voler, magnifique. Ouais. Hein. Super, il a des bons amis Sonic. Et il y avait un mode de deux joueurs en splitté, donc c'était un mode course, donc c'était moyen. Bah c'était pas très intéressant quoi. C'était court aussi. Hein. Puis l'écran était... mal splitté quand même. Ouais, était mal splitté quoi. Pas comme dans Resident Evil 5, mais presque quoi. Genre, c'était assez nul quand même pas, mais bon. Et il y avait aussi le solo, on pouvait le faire à 1,5 on va dire. Ouais, c'est-à-dire que si t'avais un copain qui voulait galérer avec Taze, il pouvait, quand il prenait la manette, il jouait avec Taze, mais bon, la caméra l'ignorait, il avait pas de compteur, il avait pas d'affichage, il avait rien. Suivez uniquement, je t'aime pas, je suis que Sonic, voilà. Tout à fait. Mais bon, très utile pour les boss, hein, un petit peu un glitch. Hein, ouais, il était invincible en fait. Donc du coup, on s'en servait pour niquer les boss. Il allait au combat à chaque fois. Voilà, et Sonic foutait rien. Comme toujours. Bah ensuite. Il y avait aussi dans Sonic 2, je crois, le Super Sonic, c'est ça? Ouais, mais on pouvait toujours collecter les émeraudes, et cette fois, on pouvait se transformer en Saiyan. Ouais, c'était DBZ, c'est la mode. DBZ était en plein boom, du coup, Sega a profité pour faire un petit clin d'œil. Ou un gros pompage, on sait pas. On peut voir ici la Warzone. Il y en a pas mal. Beaucoup de Warzone, hein, comme dans si on l'a, le son. Écoutez, là. Magnifique. Ça, c'est mythique, hein, c'est du son... à vie et même téléchargez-la sur notre téléphone portable, hein, c'est magnifique. Hein. Bah, tout le monde la connaît. Hein. C'est quand on récupère une vie, bien sûr, c'est énorme, tout simplement énorme. Oh. Connard de batte de merde. Et donc, ouais, Spinball un an plus tard, donc 93. Hein. Un bon spin-off, hein, un très très bon spin-off. Hein. Un jeu de flipper. Hein, donc... Très très dur aussi. Hein, ouais, très dur. Mais il n'y avait pas beaucoup de niveaux, mais bon. Ouais, moi à l'époque, je l'avais pas fini. Pour arriver à la fin. Il n'y a que 4 niveaux, ça. Hein. Ouais, 4, ouais. Mais j'arrivais que 2, quoi. Pas difficile, c'était trop dur. Quoi. Ouais, c'est ouf. Ouais. Bon, et ensuite, après, il y a eu Sonic 3 en 94. Hein. Ouais, bon, là, le plus abouti, on va dire. Ouais, le plus abouti, le plus poussé. Celui qui fait ramer la Mega Drive sur certains points. Il pousse la Mega Drive à fond dans ses retranchements. Là. Mais en tout cas, moi, je sais que je l'aime beaucoup. Il y en a qui l'aiment pas beaucoup. Parce qu'il est plus facile. Il change aussi pas mal de trucs. Là. Mais il apporte beaucoup de choses. Plus que Sonic 2 avait apporté, je pense. Je pense, parce que Sonic 2 avait apporté juste le Spin Dash. J'ai dit, ouais, il change. Il y avait les éléments, par exemple, à la place d'avoir la bulle de protection. Il y avait un bouclier, une bulle d'eau, boule de feu qui permet de faire des espèces
de dash en l'air, ouais, ouais. Le feu, il y avait l'éclair là, pour attraper les anneaux. Ouais. Magnétiques, c'était ils avaient plein de choses, hein. Ouais, très variés et tout. Les environnements. Hein. Moi je sais que j'aime bien. Ouais, mais c'est le seul qu'on a fini aussi. C'est vrai que c'est le seul que j'avais fini à l'époque, parce que bon, après j'ai rejoué et j'ai fini le 2 et le 1, mais c'est vrai que le 1, j'étais bloqué, on va dire, plus de 10-15 ans avec le niveau de l'eau. Hein, traumatisé par cette musique. Qu'on va montrer bientôt là. Parce que bon, là, c'est le deuxième jeu, la zone. Ouais, c'est pour vous montrer, c'est joli lame. Aussi. Voilà. Ah putain, non. Oh, si je crève. Ouais, bon, on va voilà, montrer. Le jeu. Donc c'est parti, on réinitialise. Ouais, donc ouais, Sonic 3, quand même un très très bon jeu. Hein. Ouais, tout à fait un très bon jeu. Et puis on pouvait jouer avec Tails. Hein. Ouais, ou Sonic, ouais. Enfin tout seul ou les deux, ouais. Tout et Tails pouvait voler, sauf que c'était le premier ça. Avec Tails on pouvait voler et hop alors. Donc on va vous montrer la zone labyrinthe. De l'eau. Ouais, labyrinthe. Allez, la zone de l'eau. Une très belle zone, mais une zone traumatisante, on va dire. En même temps, quand t'étais jeune, enfin petit. Hein, Je vais expliquer parce que là c'est très beau, regardez, c'est très coloré, c'est très beau. Mais dans l'eau, on crève. Il faut une bulle d'air, sinon on crève. Et moi, ça me stressait quand j'étais tout petit parce que j'étais tout petit. J'étais. Allez, là j'ai pas d'anneau et tout. Les méchants là, ils arrivent. Faire chier à... Vite la bulle. Voilà, la bulle, hop, sinon on est dans la merde. Petite animation aussi jolie. Attention, il ressort lui. Putain, non, c'est bon. Un anneau au moins, voilà. Alors regardez, si je fais rien. C'est horrible. La musique qui va se mettre en place, bon, le petit filtre bleu. Ouais, et la vitesse est ralentie en ouais, fait. C'est ouais, c'est tout. Pour faire de l'eau. Hein. Il nage pas comme Mario. Non, il sait pas nager là. Ah, écoute, c'est ça. Voilà. Ouf. Si on récupère pas des bulles, ben on crève. Et cette musique, combien de fois je l'ai entendue quand j'étais petit, combien de fois elle m'a traumatisé. Mais je pense qu'elle a traumatisé plus d'un. Ah ouais, mais au moins elle a marqué à vie. Les gens la reconnaîtront. Et donc du coup, regardez, c'est très beau. Et là, je joue un petit peu comme on veut. Voilà. Bon, ouais. T'es un peu perdu aussi dans celui-là, ouais, je crois. C'est là peut-être le niveau le plus vaste. Hein, genre, on sait pas où il faut aller. On sait qu'il faut sûrement aller à droite, hein, comme dans tous les jeux, ou ouais. En haut. Et il faut activer des boutons des pour ouvrir des portes. C'est vrai que mais quand tu connais pas, quand moi j'étais tout petit, hein, je jouais très peu aux jeux vidéo, je jouais un peu de temps en temps parce qu'il n'y avait pas de sauvegarde sur le cadre et pas d'internet pour nous aider. Donc, du coup, mais quand tu galères, c'est soit t'as les magazines, soit t'as des copains, mais, ou soit tu recommences. Et là, tu recommences. Ben moi je recommençais, hein, c'est pas compliqué. Hein, Sonic, j'ai commencé, je l'ai fait peut-être 20-30 fois, même plus. Hein, le niveau, le premier niveau toujours. Hein. J'arrivais ici avec des dizaines de vies et je crevais tout parce que je me perdais. Bon là, ça va, là, le premier niveau est facile. De ouais, cette zone. Après un peu. Mais c'est la deuxième zone parce qu'il faut activer des boutons, des manivelles pour activer des portes. C'est... Mais c'est quand même pas mal, c'est varié, on voit que c'est varié. Ah, c'est très varié. C'est complexe, attention. Ah là là, un anneau. Il y a plus d'inertie, on voit dans l'eau. Là. Ouais. Et c'est un effet un peu de flou aussi. Ah non. Non, mon dieu, non. Vite, bon. Voilà. Bon, on va finir par parler de Sonic 4, hein, l'actualité. Ouais, ouais, mais il est prévu dans pas longtemps, normalement, là. Tout à fait, ouais. Bah, d'après ce que vous pouvez voir, d'après ce que vous avez vu, qu'on a vu, c'est les au trailer. Ouais, ça. Moi, déjà, nous, on aime pas trop le skin de Sonic. Non, non. Il est un peu, rachidique et tout. Ouais, émacié, grand et tout. J'aime pas trop, regardez. Ils l'ont changé, hein. Il est plus beau, c'est magnifique, hein, c'est le... Je vois pas pourquoi ils l'ont changé, en fait. Ouais, attention. Putain, non. Non. En fait, il suffit de faire ça, je suis bête, je me rappelle plus. Ouais, ils l'ont changé, je sais pas pourquoi. Parce qu'on n'est pas contre non plus les graphismes HD, hein, c'est joli. Non, c'est sympa, mais c'est vrai que pourquoi changer le skin, quoi. Ouais, il n'y avait pas besoin. Mais bon. Et après, bon, d'après ce qu'on a pu voir, ça semble un peu un recyclage des autres épisodes. Hein. Du 1, ouais. Du 1 surtout, là, avec le graphisme. Et après, ils avaient annoncé un autre niveau, le labyrinthe. Mais bon, déjà, ils veulent vendre par épisode. Bah, ouais, parce que le premier épisode, ce serait le Green Hill, hein, le premier ouais, niveau de Sonic. Avec un autre, là. Enfin, ils ont changé de nom, quand même. Bizarre. Faudrait voir le prix aussi. Ouais, tout à fait, ouais. Faut voir les possibilités, tout ça, les nouveautés, mais bon, on verra. Pour l'instant, ouais. Puis c'est quand même bizarre que ça s'appelle Sonic 4, alors qu'il y a eu plus de 500 jeux entre Sonic 3 et ce Sonic 4. C'est clair, hein. 500 jeux appelés Sonic. Ouais. Sonic s'amuse avec Mario, ouais. OGO, etc. Alors qu'avant, il s'amusait pas trop. Non, Mario. Pas trop. C'est les patrons, on va dire. Ouais. Bah, c'est sur ces belles images qu'on va se quitter, et puis n'hésitez pas à lâcher nos commentaires. Hein. Ouais, mais ça aide, c'est bien. Il faut mettre des commentaires. Pour voir en quoi on peut s'améliorer sur notre première vidéo. De toute façon, là, durant cette première semaine, on va poster pas mal de vidéos. Hein. Pour le début. Pas mal de concepts pour vous montrer un peu. Ouais, les concepts, ouais. Ouais. Nos idées. Hop, si on pique. Allez, hop, c'est parti. Donc voilà, écoutez. Bah, c'est sur ça, ce saut-là, voilà. Et voilà, ce bouchon. C'est bonnes animations, qu'on se quitte. À bientôt, salut. Merci, au revoir.